On est sur une image, sur une photo en 2016. Ce qui ressort, c'est que le PAC, ça occupe une certaine place dans l'ensemble de la population. Et quand on regarde de plus près, ce sont les jeunes, les populations jeunes qui y ont recours. Et au sein de ces populations jeunes, ce sont plus particulièrement les populations diplômées, voire très diplômées, qui y ont recours. Quand on est peu diplômé ou de catégorie sociale plus basse, on est plus dans un schéma qui reste le schéma traditionnel de la famille, avec un regard plus tourné vers le mariage. Et c'est l'inverse pour les catégories les plus élevées. Après, les éléments plus fins d'explication, on ne les a pas. Assez peu, parce que d'autres observations sur d'autres sources nous permettent aujourd'hui de dire que le nombre de mariages de personnes de même sexe est relativement peu élevé et il doit représenter entre 1,5 et 2% du nombre de mariages dans la région. La question a été introduite en 2015 et il faut un éventail de 5 ans. Pour après avoir une vue globale. Au-delà de 5 années, on pourra avoir des évolutions à 5 ans, donc 2020.